Bienvenue dans cette vidéo où je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. C'est que malgré les croyances, malgré tout ce que tu as pu lire, ce que les médecins ont pu te dire concernant les maladies Mickey, il est tout à fait possible de manière durable et efficace et surtout naturelle de se soigner toi-même. Tu es ton propre médicament. Mais avant de développer un peu plus ce propos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Lara, tu recevras toutes les notifications pour les nouvelles vidéos où Lara te partage toutes les semaines ses trucs, ses astuces pour pouvoir t'épauler au quotidien dans ta vie de tous les jours sur le plan bien évidemment alimentaire mais aussi de l'état d'esprit, le mindset. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, il est tout à fait possible de manière naturelle de se soigner et de guérir de ces maladies Mickey. Effectivement, j'en suis la preuve et j'incarne cet état de fait puisque pendant plus d'une trentaine d'années, j'ai souffert de la rectocolite. Rectocolite qui m'a entraîné dans toutes les étapes de la maladie, notamment des hospitalisations à nombreuses reprises, la plus longue ayant quand même duré 14 mois et ayant entraîné une perte de poids de plus de 21 kg. Je ne pesais plus que 43 kg, j'étais dans un état pitoyable. Et j'étais même nourri par voie parentérale, c'est-à-dire par l'artère principale. Mais si tu veux en savoir plus sur mon parcours, je peux t'inviter à regarder une vidéo que nous avons tournée récemment avec Lara qui explique un peu plus dans le détail le parcours que nous avons franchi ensemble. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je voulais te partager mon expérience à nouveau et te dire pourquoi la méthode Lara est réellement efficace et surtout pourquoi elle te donne la possibilité d'être toi-même ton propre médicament en te soignant de manière totalement naturelle. Pour faire un résumé un peu de ce que nous propose la médecine traditionnelle pour les maladies Mickey, d'abord il faut savoir que de son propre aveu, elle n'est pas en mesure de régler de manière définitive et durablement le problème, ce qui veut dire qu'en principe elle entraîne, si tu veux, une forme de dépendance vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis des différents protocoles pour pouvoir t'accompagner tout au long de ta vie de malade. Pour ma part, il y a déjà quelques années que je ne prends absolument plus aucun traitement et malgré une vie extrêmement remplie, moi je travaille dans la musique en tant que producteur, ce qui veut dire que j'ai des horaires absolument irréguliers. Je joue sur scène, je joue en radio, en télévision. Souvent je me couche très tard, on voyage de nuit, malgré les tensions, malgré le trac dû au concert, j'arrive malgré tout à garder mon état de santé totalement sous contrôle et à m'épargner d'éventuelles rechutes. Pour cela, je fais preuve simplement d'un peu de discernement, un peu de discipline et surtout je suis à l'écoute de mon corps. La méthode Lara te propose le même suivi dont évidemment moi je bénéficie au quotidien puisque c'est ma femme qui a mis cette méthode au point. L'accompagnement au quotidien va te permettre de détecter, si tu veux, les petites erreurs que tu pourrais faire au quotidien, va te guider, t'accompagner pour te montrer comment véritablement gérer la problématique alimentaire afin de soutenir au mieux ton côlon. Si tu es en crise, si tu es en poussée, tu apprendras à éteindre le feu, ce feu qui te crée ces douleurs, qui te crée ces hémorragies, qui te crée cette inflammation du côlon ou des intestins. Et il est tout à fait possible de manière naturelle d'éteindre ce feu afin que tu retrouves une vie totalement normale, une vie fluide, une vie qui se passe quand même dans la joie et que tu n'aies plus le sentiment d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête et qui, je la connais bien, je te le dis, je te le redis, je l'ai vécu pendant 30 ans, cette espèce d'épée de Damoclès qui te fait toujours dire « aïe, et qu'est-ce qui se passe si je fais une rechute ?» Il n'y a pas si longtemps que ça fait une très très brève rechute qui a duré à peine quelques semaines et en remettant en route tout simplement la méthode Lara, en remettant ce protocole en place, eh bien les symptômes se sont arrêtés très très rapidement, ce qui ne m'a absolument pas entraîné une rechute épouvantable. Donc
la bonne nouvelle, c'est que par le biais de cet accompagnement, par le biais des conseils, tu peux véritablement gérer cette maladie au quotidien et peut-être même comme moi de manière définitive. Il te suffit simplement déjà, dans un premier temps, à défaut de prendre un rendez-vous, peut-être tout simplement de faire l'acquisition de la box Mon colon au calme, où déjà Lara te suggère une foule de conseils, te propose des recettes pour pouvoir t'épauler au quotidien. Et puis surtout, je voulais terminer en te disant, ne désespère pas, tu n'es pas tout seul. Beaucoup de gens comme toi souffrent. J'ai reçu beaucoup de témoignages suite à la précédente vidéo que nous avons faite où j'ai parlé de mon parcours. Et moi, je suis là simplement pour dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Petit Lara est là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te soutenir. Fais-le, ça vaut vraiment la peine. Tu vas pouvoir retrouver une vie normale, une vie épanouie. Et n'hésite pas à me faire part de tes remarques, de tes conseils. Je suis là aussi au quotidien pour partager avec toi le vécu que j'ai eu, le vécu que tu as toi peut-être, ou peut-être des gens que tu connais qui ont ça. Donc n'hésite pas à leur donner l'adresse de cette chaîne, car tu vas leur rendre vraiment un très très grand service. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Je te donne rendez-vous sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et des nouveaux témoignages. Allez, surtout d'ici là, tu prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Allez, ciao.